s'approcher. Ah. Je crois qu'il vaut mieux vous avoir pour amis que pour ennemis. Vous êtes ceinture noire, première dame. Deuxième. Vous êtes aussi passionné par le judo, le jujitsu, et c'est pendant plus de 10 ans que vous avez pratiqué cette discipline. Mais si la ceinture noire confère à celui qui la porte un prestige certain, elle lui donne en même temps la responsabilité d'être un exemple. Et Bernard, vous êtes un bel exemple, puisque grâce à votre investissement, à vos précieux conseils, pendant les séances d'arts martiaux, à vos justesses et à la précision des mouvements, plusieurs des membres de l'amicale des loisirs martiaux ont pu confirmer leur passage de grade comme le deuxième dan et continuent à ce jour leur chemin de progression. Donc vous êtes un bon maître. Mais au-delà de votre technique sportive, c'est aussi depuis 2013 que vous donnez de votre temps pour la construction de l'ALM en insufflant la dynamique nécessaire afin que cette association soit connue et reconnue du public. Mais vous n'avez pas que ces talents. Vous avez notamment créé les bases des maquettes, projets publicitaires et autres accessoires de l'association, car au-delà du rôle de trésorier que vous menez avec rigueur et qui a permis à l'amicale de croître sans jamais connaître de difficultés financières, vous vous employez aussi à trouver des solutions pérennes afin d'améliorer les besoins en équipement matériel et de pouvoir financer les stages nécessaires à la progression de tous. Bernard, vous êtes également l'instigateur de ce qui est devenu un indispensable, les séances de connaissance, contrôle et maîtrise du corps, dans lesquelles vous n'avez pas hésité à impliquer votre épouse qui prend en charge ces séances et qui fait ça et comble, je l'ai entendu dire, le samedi matin au gymnase. Grâce à vos liens avec le CIJAM, Collège indépendant de judo traditionnel et d'arts martiaux, vous êtes depuis 5 ans en charge de l'organisation de la cérémonie des vœux que vous gérez de main de maître afin que tout soit opérationnel, même si cela vous coûte souvent en termes de fatigue et de stress. Votre sens de l'organisation est également un atout dans l'organisation des repas de l'association et notamment du barbecue collectif. Vous êtes aussi un maître de convivialité. Les membres de l'amicale s'accordent à dire que sans vous, la LM ne serait peut-être pas aussi chargée d'histoire, de bons moments, de relations humaines. Bernard, c'est donc avec joie que nous vous remettons ce trophée qui vient vous récompenser, qui vient récompenser votre engagement au sein de la LM. Bravo.